Comment elle s'appelle déjà? C'est énorme. La dernière fois que j'ai dit je t'aime, oh, ça devait être ce matin, mon mari, c'est très classique. Une musique pour faire l'amour, ah, ça je cherche encore, hein, si vous avez des idées à me donner. Je vis avec, je m'en accommode, mais je ne voue pas un culte à une partie particulière de mon corps. Une assez grande incapacité à l'effort. Alors, pas du tout. J'aimerais d'ailleurs vraiment ne jamais sortir avec une star. Je pense que ça, c'est un objectif de vie. Si j'étais un homme... En fait, j'ai été élevée par une femme qui portait un peu la culotte. Et donc, j'ai un peu l'impression d'être... une partie de moi est un peu un homme. Donc, c'est pas une frustration. Donc, je pense que ce que je pourrais faire en tant qu'homme, je l'accomplis déjà en tant que femme. Ah, il y en a un paquet. Peut-être quelqu'un qui fait du bruit en mangeant. Quelqu'un qui m'a proposé de m'aider à placer mon argent en banque. Qui était donc banquier. C'était nul. Alors, ce serait sur l'amour de soi. Il y a une phrase que j'adore de Jean Cocteau qui pourrait être une ligne de vie. Ce que l'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Salut!